je parle. Je suis là pour demander pardon aux militants du RPG Arc-en-Ciel, au peuple de Guinée. Je demande pardon par mon nom. On ne m'a pas envoyé. Je n'ai pas vu ma DIC. Je demande pardon en tant que femme, en tant que mère. J'ai vu la mère de ma DIC. Je l'ai vue à distance. J'ai vu sa sœur, sa petite sœur à distance. J'ai vu sa tante à distance. Elles étaient trois à distance. J'ai vu la maman de ma DIC en larmes. Ça m'a touchée en tant que mère, en tant que femme. J'ai des enfants, j'ai deux enfants. Je fais ce direct, pas pour ma DIC. C'est pas ma DIC que j'ai regardé. Je fais ce direct pour moi, ma personne. Tant que, parce que je suis femme, je suis mère. J'ai vu les larmes de la mère de ma DIC. Ça m'a touché beaucoup. Moi, j'ai à parler à nos responsables, nous les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Je ne vois pas ma DIC. Je ne demande pas pardon pour ma DIC en tant que ma DIC, lui, sa personne, ou parce qu'il est militant de l'IFDG. Ça ne me regarde pas. Les militants de l'IFDG, leur problème, ce n'est pas moi mon problème. Mais je vous rappelle les parents de Madik, son père a trop souffert pour le RPG Arc-en-Ciel. Le papa de Madik a tout donné au RPG Arc-en-Ciel. Le papa de Madik a souffert, a fait beaucoup de prison à cause du président Alpha Condé. Moi, j'étais petite, je ne connaissais pas. Mais l'histoire, on a entendu parler du RPG. Dans le temps passé, tu ne pouvais pas parler du RPG. Le temps de PIP. Juste que le RPG, ils ne sont pas méchants. Ils n'aiment pas se victimiser. Ils oublient, ils pardonnent. C'est ça. Hein? Si c'était d'autres personnes, comme les militants de l'IFDG aujourd'hui, il allait parler, le monde entier allait savoir ce qu'ils ont subi. Mais le RPG ne parle pas. Par contre, aujourd'hui, les personnes qui les ont fait du mal au temps de Conté sont avec le président Alpha Condé. Moi, j'ai dit Alpha, c'est un homme de Dieu. Oui. Parce que Dieu a dit, pardonne aux personnes qui t'ont fait du mal. Donne aux personnes qui t'ont refusé. Accepte les personnes qui t'ont refusé. Moi, je demande pardon pour Madik Sans Frontières, au peuple de Guinée. Toutes les personnes qui sont fâchées contre lui, de lui pardonner. Je demande pardon au RPG Arc-en-Ciel, pas pour Madik. Regardons les parents, la maman, le papa, les parents de Madik. Madik en personne, je n'ai pas vu Madik, je n'ai pas parlé avec Madik. Mais Madik en personne, sont frustrés. Et la cause de la frustration de Madik Sans Frontières, c'est l'entourage du président. Le président n'a rien à voir. Mais l'entourage du président, on le sait tous. Beaucoup d'entre eux sont méchants, ils sont mauvais. Ça, c'est la vérité. Moi, je vais dire ce que je pense. Moi, j'ai dit un jour, je dis papa, nouvellement venu au RPG. Je dis tout le monde, moi j'étais de l'IFDG. J'ai beaucoup fait pour vous combattre. J'ai tout fait, j'ai tout. Moi, je n'insultais pas. Mais ce que j'ai fait, ce que je faisais était plus grave que les injures. Prendre les cailloux donnés aux enfants d'autrui, on sort, je sortais avec eux. On vient, on envoyait ça sur l'axe. Briller les pneus. Payer de l'essence, jeter les cailloux. Les manifestations d'hier de l'IFDG aujourd'hui, c'est différent parce qu'il n'y a plus de personnes motivées. Je ne dormais pas, je sortais à 0h. De 0h à 5h du matin, nous sommes sur l'axe. On a fait tout ça. Je dis des personnes qui étaient là,
qui était 1000% RPG, papa. Quand je suis venu moi au RPG Arc-en-Ciel, ils m'ont dit non, Fatou, nous on a tout donné, Alpha, on a fait ça, Alpha est comme ça, Alpha est comme ça, Alpha est comme ça. Je dis Alpha n'est pas comme ça, vous n'avez pas eu la chance de rencontrer Alpha Condé. Je dis Alpha est tout sauf ce que vous êtes en train de raconter sur lui. Alpha, c'est un homme qui a un cœur en or. C'est un homme qui a le dos large. Alpha Condé n'est pas méchant, il est gentil, il est bien, mais son entourage, les 80% de son entourage, c'est des méchants, c'est des mauvais. Je dis la vérité, je suis désolée si ça va l'air vexé, mais c'est la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, dis la vérité à la personne. Il faut dire la vérité à la personne. C'est ça la vérité. Donc, Madik, c'est un frustré. Son papa a beaucoup fait. Sa mère, d'ailleurs, toujours, parce que ses parents sont toujours du RPG. Ils ont beaucoup fait pour le RPG Arc-en-Ciel. Et un Madik se lève au Canada. Il vient en 2016 pour des projets que lui-même, il s'est battu pour qu'on réalise ce projet. Et qu'il a rencontré certains membres malhonnêtes, cadres malhonnêtes, qui sont avec le président, l'ont refusé. Mais il va être frustré, c'est normal. La politique, c'est quoi? C'est pas la religion, je suis désolée. C'est pas histoire d'ethnie. La politique, tu suis la personne. C'est l'intérêt qui lie les hommes, je suis désolée. Surtout en politique. Donc, s'il est frustré, c'est vrai qu'il a dépassé les limites. Moi, je parle pas parce que j'ai pas vu Madik. Hein. Moi, Fatounielo, j'ai pas vu Madik. J'ai pas vu Madik et je demande pas pardon parce qu'il est un militant de l'IFDG. Moi, je demande pardon aux militants et sympathisants au cadre du RPG Arc-en-Ciel pour ses parents. C'est quand on... Je ne veux pas que le président et le RPG soient comme c'est Loudalé. Faire du mal aux enfants ou à l'enfant des personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont aimé, qui t'ont tout donné. Et les parents de Madik, ils ont tout donné au RPG Arc-en-Ciel. À un moment donné, c'était dur de dire que tu es du RPG. Et ils sont toujours du RPG Arc-en-Ciel. Je ne fais pas ce direct pour faire plaisir à une autre. Non, ce n'est pas mon problème. Moi, ma vie ne concerne que moi. Mes pensées me concernent. Je dis ce que je pense. Et c'est la vérité aussi. Donc ce pardon, c'est pas... Moi, quand je regarde Madik, on ne va jamais me pardonner Madik. Mais j'ai vu la maman de Madik en larmes, ça m'a touchée en tant que femme, en tant que mère. Je suis désolée, je sais que ça va faire mal à beaucoup de personnes qui sont au RPG Arc-en-Ciel, mais je vous demande pardon. RPG Arc-en-Ciel, vous pensez, pourquoi le RPG est au pouvoir? Pensez-vous parce que c'est parce que le RPG est plus beau que les autres? C'est pour vous, c'est parce que le RPG est le plus riche. Pour vous, c'est parce que le RPG est plus béni. Je suis désolée, c'est pas ça. Le RPG est au pouvoir parce que c'est des hommes qui ont le cœur en or. Le RPG est au pouvoir parce qu'ils ont le dos large. Le RPG est au pouvoir parce qu'ils pardonnent. Le RPG est au pouvoir parce qu'ils ne sont pas haineux, il faut le reconnaître. Tout sauf la haine au RPG Arc-en-Ciel. Quand tu leur fais du mal, tu demandes pardon, ils te pardonnent. Même quand tu ne leur demandes pas pardon, eux, ils ne gardent pas la haine. Dieu a regardé le cœur du président Alpha Condé pour le élire président. Ce n'est pas parce qu'il est beau, plus que tous les autres. Ce n'est pas parce qu'il est le plus béni des Guinéens. C'est parce qu'il a un cœur en or, il a le dos large. C'est un homme qui pardonne, qui n'a pas la haine, qui n'a pas la place de la haine. C'est un homme, Alpha Condé, c'est un homme qui donne 8 à ses ennemis, 2 à ses amis. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je dis ça un jour, je dis, papa, et je vous en prie, moi, j'étais de l'IFDG, j'ai tout fait pour vous empêcher ici à accéder au pouvoir. Aujourd'hui, je suis près de vous. Ce n'est pas vous, hein? C'est Dieu qui nous a envoyés. Parce que Dieu a vu que vous avez un cœur en or. Nous qui faisons le combat contre vous hier, aujourd'hui nous sommes avec vous, nous sommes en train de combattre une autre personne qui est contre vous. Je dis pas parce que moi j'ai à vous dire, il faut penser aux personnes qui ont souffert, les personnes qui ont tout donné au RPG. Moi je suis venue hier au RPG Arc-en-Ciel, je l'ai dit.
Le président, il m'aime parce qu'il sait que je dis la vérité. Je dis, nous sommes au RPG aujourd'hui. Vous savez pourquoi nous sommes au RPG. Et si on vous aime, on n'est pas là pour déclencher ou déplacer les personnes qu'on a trouvées. Et il y avait un petit problème là-bas au sein du RPG avec d'autres personnes. J'ai dit, papa, les personnes qui sont venues hier, il ne faut pas accepter qu'on vous mélange avec les personnes qui sont là. Et ça, c'était les communicants. Il y avait un petit problème. Je l'ai parlé. Je dis, la personne qui veut vous mélanger avec les communicants qui vous a tout donné dans ce pays, avant 2010, ils étaient avec le PIP. Après 2010, ils étaient avec l'IFDG. Et maintenant, ils sont avec vous. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont plus, je ne sais quoi, que les communicants qui sont là. Quand un communicant ou un militant est frustré, il va aller dans le camp adverse. Je l'ai dit ça. Je dis donc, papa, ici, nous vous aimons là. Les personnes qui vous aiment là, ils n'ont qu'à vous aider à réunir les personnes qui sont là avec qu'on a trouvé chez vous. Il ne faut pas qu'on vienne chercher à leur déplacer. Moi, tout le monde me connaît pour ça. Je ne vais jamais être où on peut faire du mal, où on va faire du mal à quelqu'un. Moi, si tu pas cette personne. Moi, tu me mords tout à l'heure. Tu vas, tu reviens, tu dis, ah, je l'ai fait. Je regrette, excuse-moi. Billahi wallahi ta'ala, je vais t'excuser. Donc, vous savez, il y a ces personnes, quand tu leur réponds, tu vas leur donner la valeur, tu leur bloques. Écris encore, si tu es femme, j'ai bloqué. Ou si tu es homme, j'ai bloqué. Donc, moi, ce direct-là, c'est pour ma famille RPG Arc-en-Ciel. Je vous demande pardon pour Madik. Je vous demande pardon. Pardonnez. Je vous en prie, ne regardez pas Madik. Pardonnons Madik. Le frère de Madik. Moi, je ne fais pas ça pour Madik ou pour son frère. J'ai vu une des vidéos de son grand frère. Et c'est parce que je parlais à la personne. Ah, moi, vraiment, je veux qu'on lui pardonne. Pas lui, mais ses parents ont beaucoup fait. Je dis, moi, je suis la fille du père fondateur de l'IFDG. Mon papa a tout donné à Selou. Aujourd'hui, c'est Selou qui nous fait du mal. Si tu vois, il est dans les horreurs, c'est parce qu'il veut faire du mal aux enfants de la personne qui l'a tout donné. Il ne va jamais arriver. Je dis, si aujourd'hui, il m'a dit que son père a tout fait pour le RPG Arc-en-Ciel et qu'aujourd'hui, son fils a un problème. Vraiment, moi, je ne serai pas tranquille. Je veux qu'on pardonne. Je veux que tout le monde, le peuple de Guinée, lui pardonne. Ne regardez pas. Je demande pardon pour des raisons. Un, moi, j'étais de l'IFDG. IFDG, c'est un parti satanique. C'est des satans. Quand tu es dans l'IFDG, seul Dieu peut te sauver de ces satans-là. Donc, Madik, il est de l'IFDG. Il a été contaminé par les satans de l'IFDG. Moi, je ne regarde pas Madik. Le grand frère de Madik a dit, nous, on doit aller en prison si Madik est en prison. Mon frère, je suis désolé, ton frère, ce qu'il a fait, il faut avoir un cœur en or comme Alpha Condé, comme les gens du RPG pour demander pardon à Madik sans frontières. Moi, aujourd'hui, je demande pardon pour Madik parce que tout simplement, je suis du RPG parce qu'ils m'ont contaminé. Maintenant, c'est le pardon qui est dans le RPG. Sinon, je n'ai pas besoin de venir m'asseoir ici, parler de Madik. Non, mais comme le RPG, c'est le pardon qui est chez eux. On nous a appris le pardon. Si tu vois aujourd'hui, moi je parle parce qu'ils m'ont contaminé. Hier, j'étais de l'IFDG. Aujourd'hui, je suis du RPG. J'ai pris vraiment leur style et leur système de pardonner. Ok? Je vous dis, le grand frère, le petit frère de Madik, moi, Fatounielle, je te dis, ton frère a dépassé les bornes. Ton frère ne s'est pas attaqué seulement à Alpha Condé. Moi, je me suis attaqué à une seule personne. Avant même de m'attaquer, je m'attaquais même pas à Selou avant. Selou est allé porter plainte contre nous. Que moi, je l'ai insulté, je l'ai diffamé, je l'ai menacé. Je dis d'accord, avant d'aller en prison, maintenant je vais faire tout ce qu'il a dit. Je vais l'insulter, voir lui, il est qui. Déjà, il a porté plainte, je ne l'ai pas insulté. Quand je vais faire la prison,
Mais si au moins je l'ai insulté, ça fait du bien parce que là, je vais faire la prison et que j'assume. Celle-là a fait ce qu'il peut faire. Et il a porté plainte contre nous. Personne n'est au-dessus de la loi. On est allé reprendre la convocation. Là, on est en tribunal. S'il vient demain à Dixine, on va venir sous la tombe de mon père. S'il envoie ses avocats, on envoie nos avocats. On a 6 avocats. J'ai 3 avocats. Nelo a 3 avocats. Ils sont là, 6. OK? S'il envoie ses avocats, on envoie nos avocats. S'il vient, on vient. Où est le problème? Personne n'est au-dessus de la loi. Mon frère, le frère de Madik, ton frrère ne s'est même pas attaqué à Alpha Condé. Il s'est attaqué à l'État. Le président passe, mais l'État reste. Je suis désolé, mon frère. Ton frère, il a déconné. Il a dépassé les bornes. Il a fait des choses. Seulement lui qui peut faire ce qu'il a fait. Et mais moi, je sais, c'est parce qu'il a été utilisé, manipulé par les deux satans. Halimatou Dalen, c'est une satane. Je le dis, moi, Fatou Nielou. C'est Lou Dalen. Le problème que c'est Lou a aujourd'hui, c'est sa femme qui est responsable. C'est la femme de c'est Lou a transformé c'est Lou à un diable. C'est lui en personne, il y a ces choses, il ne fait pas. Mais sa femme, comme elle est satane, c'est une femme qui est rebelle, qui est sanguinaire. Moi, j'ai beaucoup de choses qu'on m'a envoyées où elle parlait, on l'enregistre pour moi. Mais moi, elle oublie une chose. Moi, je suis plus qu'elle. Parce que moi, je suis une mère rassembleuse. Moi, je rassemble les gens. Moi, je ne divise pas. Moi, je ne vais pas demander aux enfants d'autrui. Allez-y. Je ne vais jamais donner la drogue aux enfants d'autrui. Ce que je ne vais pas faire à mes enfants, je ne le ferai pas aux enfants d'autrui. L'exemple est là. Je demande pardon pour Madik parce que j'ai des enfants. C'est tout simple. Et parce que sa mère, je l'ai vue en larmes. Je demande pardon pour Madik parce que tout simplement, ses parents ont tout donné au RPG Arc-en-Ciel. Donc, les militants du RPG Arc-en-Ciel, les cadres du RPG Arc-en-Ciel, le président de la République, je sais, lui, il n'a rien même à voir avec le cas de Madik. Rien, absolument rien. Le Madik, il a affaire avec l'État. Donc, je demande pardon à l'État. Je demande pardon à nos militants. Je demande pardon à mes frères et sœurs, ma famille. Pas le cas de Madik. C'est pas Kadik. Madik, lui, c'est personne. Je demande pardon à l'État guinéen. Je demande pardon aux responsables du RPG Arc-en-Ciel. Je demande pardon à nos militants de Conakry à Béla, de Conakry à Sigri, de Conakry à Kankan, de Conakry à Yomoun, de Conakry à Zérekoré. Les militants qui sont fâchés, je vous en prie, mes deux mains sont derrière, pardonnez. Je sais, il a déconné, il a fait beaucoup de choses. Il sait qu'il a fait, c'est énorme, c'est grave. Mais pardonnons. Hey, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, il a subi beaucoup de choses. Mais il a pardonné. Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, il a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand Dieu lui a demandé, les personnes qui t'ont fait du mal, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse quoi d'eux? Le prophète dit, je leur pardonne. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Un jour, on est tous appelés à mourir. Si vous avez vu aujourd'hui, c'est Lou Dalen. Il ne va jamais être président. Il a perdu 3 élections. C'est parce qu'il a un cœur noir. Parce que c'est un Satan. Il a l'idée de vengeance. Et ceux qui doutaient de ça, nous sommes l'exemple. C'est Lou a porté plainte contre nous, la famille et lui. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, c'est Lou Dalen, même si nous, on égorgeait un de ses enfants, qu'il allait avoir le culot et le courage de nous chercher à nous mettre en prison. Donc, j'ai compris son haineux, son Satan. J'ai pleuré quand la Cour constitutionnelle a donné les résultats. Pas que de joie. Parce que je me dis, oui, je suis sauvée. Les gens m'appellent, « Eh, si c'est le président, il y a des gens qui ne dormaient pas à cause de nous. Parce qu'ils ont peur pour nous. C'est lui a dit, il va nous tuer. Ces militants ont dit qu'ils vont nous tuer. On va vous tuer, on va vous faire ça, on va vous faire ça. » Mais Dieu ne dort pas. Il ne peut pas nous tuer. Ce n'est pas lui qui est Dieu. Ce n'est pas lui qui nous a créés. Il peut nous détester, il peut penser à la prison et tout. Mais nous tuer là, ça c'est Dieu qui sait.
J'ai pleuré parce que j'étais contente. J'ai pleuré parce que j'ai compris que je suis là encore. Il peut rien, il pourra rien contre nous. RPG Arc-en-Ciel. Nye mani kakan fo. Fatou nye lui. Nye yang. Kalmadia. Militant sympathisant RPG. Ala maman sa ya di RPG ma. Parce que RPG kenyin katambi benye. Ala maman sa ya di RPG ma. Parce que RPG wodi yal bulu katambi benye. Ala maman sa ya di RPG ma. Parce que RPG e barka yalla tambi bella. Non. Ala kaman sa ya di RPG ma. Parce que RPG mol. Et jusu kanyin. RPG mol. Ibako iba femfeng kal kala edi jafa alaka RPG mol dusu le mafene alaka long ko morning iba femfeng kala edi jafa ema e mol nyumale RPG mol eba mol adia hansa ya eba fo ilele ilele eteteng RPG mol pardon jafa e ka wolelo itiko ke lalma hay da fo andam vanjalma antal tolay andikete andi no wotal bra ne nka ko menke RPG mol la alpha conde la ni ba alba yembi an RPG kono parce que albeka jafa ma Alpha Tredafo, ok, je vous accepte. Mais allô, RPG militant, Aldafo, non, mon imbran toro, abara el barake, alpha conde neni, adoni, al miel, bar alpha conde neni, abara ninke, antal fe, mais ah ah. Allé mi allô militant, andoumal nye, tambi alpha conde nye, alpha conde la, amour mel yal bolo, annako. Atambining alpha konde nkalom lolong ala lolong na telephone be di soné mol dinkili fatou ngeloy e interest learning alnye fatou ngelong al kit ça fait plaisir ne nka fon na video do nkonne na komba alpha konde ko kelante de ou bien ala entourage alle militant milier sigiring milie kankan milie kisidugu zere kore Allah appelle nel kanu Allah appelle du manye tambini moba wodita kadima parce que kankil e fatu ngelo aidi tanati entanati la idendo idonindo e ala yal keteng anse wanalla ça c'est beaucoup ne wo molen ne diri ne wodi nkalo ndasro parce que mbanyi ni ndasro mais qu'il a dit à moi il a comportement léo fana kela donc Allah amour vous n'étiez pas obligé altre tout t'es obligé ni kan la dia dunia bek along guinée ye yoro be mingbi bek along ko fatou ngelo ousmane ngelong rpg la symbole andoumal ni comme alden donc ça c'est une fierté moi ça me va droit au cœur. Donc ne vidéo ni nkalon be di moné mais kalon RPG an la force moné jafa lolo alba ce que al anya jafa la le ne interati jafa la net mo ñuma le traiter ndé feu parce que IFDG et kan makaran won lay kana jafa il faut se venger mais nara RPG mbra dunia si long autrement mbra lon jani ya fe ka avancer ye jafalale ni ya fe ka avancer idi jusu nyuma soron mo ba ko juke la ile jafa ye diama ala di sara donc RPG la force le odi ça c'est la force du RPG donc RPG musol RPG nal ne fatou ngeloy mbra Madik sans frontière na yen amma kuma de même ka yen distance nka tene muso yen ka do muso fana yi e sabatre lone ana tre kasila e kalo ni de mbateli de ni de yi bolo iba muso yi kasila adenko idi miri dema donc vidéo ni mo manke bi
Mama dit qu'il y a bien mal ici. Mama dit que quoi minke, ama quoi nous maké. Mais ne calons. Mama dit qu'il est très assassin le boulot. IFDG. Il y a kafri ni na. Iba IFDG ying. Ikosé. Ibra kafri ying. IFDG kafri mole. Ne calons très yen ne. Et comme il faut l'aigner à que ni kafri te dit tu sais où faut la molle. Donc ne ya fola aller ya fa parce que un calon a très kafre le boulot. Allez le calon na ya fa ya sa yen an problème te ala IFDG nous ané an am ma côté wala. Mais ne ya fa Albert Moussol be al Moussol agne mirinde yan bolo doke yan bolo agne jafa ma dik ma hey allons. Viens ici. Attends-moi, j'ai fini. Abola me. Alié Jaffa, mbolo flying. Encore. Alié Jaffa, alanye. Mbrabe semina. Alié Jaffa, ankana madik ma fene parce que RPA, IFDG, an ma kote odi. Anye madik na na fa, na la mol yin, alanye. Na pardonne, je le fais même pour les vrais militants. Un ne calo andu mal ñe RPG molbe ka boko na kri han yomu ka boko na kri han zere kore ka boko na kri han dabola ka boko na kri ka wa militant RPG yoro yoro si anne famille ngelo andu mal ñe donc aliake alagne aliake annabi ñe mu ankal long ko minna ka jafa molma anye jafa madikma ngalom be mo siama mbaye e monene mais kalon moi aussi, je suis RPG Arc-en-Ciel. Et mon ami Alpha Condé là. Mais, et moi, je suis Alpha Condé. Alpha Condé là, entourage, 80%. Alpha Condé là, entourage, moi, Jule, Mani. Bibi, min, et moi, min, je fais training Alpha Condé. Quoi? Attends-moi. Non, je ne peux pas la non, attends, on va aller. Merci. Je voulais aller avec la clé, non? Yo. Abla. Moyen, et y'a où ni? Moyen. Et mon ami Alpha Condé, Alpha Condé te. Mais Alpha Condé l'entourage, le mani, mo, si y'a mamba, y'a mo, jule. Hé, ni mo, du manye, tu n'y a fo, anye, y'a kana escore ya fo. Nebi, Alpha Condé du manye, comme fa. Et wallahi billahi talai. Alpha Condé la ko ni adin nita mbaraja fanima binna ba fo fatu ngeloe nti fe parce que Alpha I Alpha Condé konda fo nanti fe parce que imam ni tere mfananti fe ni tere yim fe idi Alpha Condé fe mo ki den la dia mo ki den ta comme aden il est ba fo ito fe hmm ce que idel le demande et il m'a fait donc RPG Arc-en-Ciel ma famille na famille Alié Jaffa alagne Alié Jaffa annabien Alié Jaffa mbaral matara an kanama dik yeng anyi madik nana fa yeng he madik fa baratoro Madik na tora la RPG ko la et a ankalon ne malon parce que deni ne terendi mais histoire ko tando tambirayan il est jare ni RPG et tu sais kumala mais comme RPG mol mbam ka wolal fo ko dusu nyuma le yal bolo et ta fo la ni FDG mol le terebi dunia betra da fo ko min ka kerala. Mais est-ce que it is la yang hayake e RPG mol ya sa fo he PIP baranin kenna abaranin kenna PIP mol jamais albaranina albaraja fa c'est pourquoi Alpha Condé ka la mansa ya sa soro yang fanan e premier mandat ni parce que ne ta fo la e troisième mandat premier mandat donc en LPG combattre yambolo min combat min très ambolo avoir combat au baraban et opposition maintenant combat bre yambolo annu ante yeng
Moi, à partir d'aujourd'hui, Alpha Condé, moi, je suis ministre. Je suis ministre de bon village de Romi. A tu wodi tala ka dil molma de me ka ampulwa nyini ka dil molma de ni kisi dugu ka lidi il a ministre meya le dernier villageois kisi du haradi bara soro anye wole le fait c'est ça donc à partir de maintenant on a tourné la page des opposants Selouda Leng est parti pour quand on parle de Selouda Leng c'est de perdre le temps. À partir de maintenant, on tourne la page des opposants. On fait face à nos cadres malhonnêtes qui sont avec nous. À partir de maintenant, le président, le ministre que le président va nommer. Quand tu es le dernier ministre, le dernier. Qu'on est d'ailleurs, tu es venu chercher la clé. Non, je ne fais même pas 5 minutes, juste 2 minutes. Mais tu es méchante. Maintenant, ministre, les ministres que le président va nommer maintenant, on ne veut plus les ministres Yesman là, les ministres en cigare là, les ministres bluffeurs là, les ministres méchants là, on ne veut plus d'eux. Les ministres qui ne pensent pas aux militants sauf s'il y a campagne, on ne veut plus d'eux. Les ministres qui utilisent les militants après avoir fini leur objectif, on oublie les gens, même quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. On ne veut plus de ces ministres. On va mener le combat contre ces personnes-là. On n'est pas contre Selouda Leng parce qu'il est peul ou parce que. On est contre Selouda Leng parce que tout simplement, c'est un égoïste. Il n'aime pas le partage. Parce que tout simplement, il cherche le pouvoir pour une petite personne, une petite partie. Ce n'est pas tous les Guinéens. Et c'est pourquoi le peuple a dit non à Selouda Leng. Et les ministres aussi qui auront le même style que Selouda Leng, on va dire non à cette personne. Hey, c'est le peuple qui est fort. Je vous dis, hein, c'est le peuple qui est fort. Si tu es ministre aujourd'hui, vous avez vu Ezen Kamara, le jour où il a été nommé, moi je me rappelle, c'était un vendredi, quand ils ont fait, j'étais en route. J'ai vu ce jour-là, pagaille à Conakry, j'ai eu peur. Quand tu même s'est dit, ah, je ne suis pas aimé, Adia, tu es plus détesté que moi. C'est fini ça. On va reprendre ce système. Vous nommez un ministre qui est nommé, qui est méchant, on sort, on manifeste, on sort, on fait marche, on écrit son nom, on fait des marches pacifiques, on dit, monsieur le président, on ne veut pas de ce ministre. Le ministre là, il n'est pas bien, c'est un traître, c'est un ministre qui pense à lui et à sa famille. Et on ne veut plus ça. Ce changement, on le veut pour toutes les tout le monde. Même les personnes qui n'ont pas voté pour vous, on veut que les gens là bénéficient de ce pouvoir, que chacun travaille. C'est ça, monsieur le président, c'est moi, parole fatiguée. Et moi, je dis la vérité, je dis ce que je pense. Moi, personne ne peut m'intimider. J'aime Alpha Condé et je vais toujours lui dire ce que je pense dans mon cœur. Et tout ce qu'il va me faire, je serai fière parce qu'il est mon père. L'ami de ton père, c'est ton père. Même s'il prend le couteau, il dit, couche-toi, je vais t'égorger, je vais me coucher. Et quand il m'égorge, si quelqu'un parle, je ne vais pas te pardonner parce que tu es escoro, ça ne te regarde pas. C'est mon père, ce qui nous lit, ça ne regarde personne. Ça, c'est un. Maintenant, on a besoin des ministres qui sont près du peuple. Quand tu es ministre du, de comment je vais appeler, de Kissidougou, le dernier villageois de Kissidougou, sent que oui, il a un parent qui est ministre. C'est pas prendre l'argent donné à la personne, mais c'est de créer l'emploi. Et Armaï, Migani vient. Mais c'est de créer l'emploi. C'est de créer l'emploi. Donner aux gens l'emploi. Et il y a des personnes ici qui sont là, qui ne sont pas ministres. Ils font beaucoup pour le peuple. Donc, on connaît les gens là aussi. Quand eux, ils sont ministres, wallahi billahi tallah, il y aura un changement. La différence entre RPG et l'IFDG, vous savez c'est quoi? Selou ne donne rien à ses militants. Mais les proches de Selouda Leng, quand ils te voient engagé, ils t'aident. Et au sein du RPG, c'est tout à fait le contraire. Et Alpha Condé ne peut pas tout donner aux gens, hein? Je suis désolée. Quand il prend un ministre, c'est pour que le ministre là aide les autres. Donc il faut qu'on se respecte dans ce pays. Le changement là, c'est pour tout le monde. Ça va changer.
Je vous ai dit la dernière fois, tu ne peux pas sauter un serpent pour aller tuer un autre serpent. Le problème d'abord, c'était Seludale. Et lui, il est dans la poubelle. Il est enterré vivant. Maintenant, on fait face à nos cadres qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas bien, qui sont là juste pour leur intérêt personnel. À Baragnon, maintenant, ça, c'est fini. Je serai devant pour faire des manifestations. Quand il y a un truc comme ça, là, on va sortir, manifester, écrire les pancartes. On va montrer aux gens de l'IFDG comment manifester. On sort, on dit, monsieur le président, on ne veut pas de telle personne. Il utilise les gens après avoir fini. Quand son, ce qu'il veut là, c'est fait, les 80%, c'est ça, c'est des malhonnêtes. Donc, j'étais là pour ça, pour le cas de Madik RPG, le premier responsable au dernier, les militants, tout le monde, je vous demande pardon, pardonnons Madik. Ça, ça vient, ça n'engage que moi. C'est moi, Fatou. Ça, c'est moi. Ce n'est pas une autre personne. Bidlai, wallahi, personne ne m'a parlé. Mais ça, ça n'engage que moi. Regardons les parents de Madik. Pardonnons Madik pour l'amour de Dieu. Pardonnez Madik. D'ailleurs, c'est ça. Vous savez pourquoi ce direct? Si c'est le président ou le gouvernement ou je ne sais, je peux aller voir tout le monde ou les appeler pour les parler. Mais non, j'ai fait cette vidéo pour demander pardon aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. De pardonner Madik pour l'amour de Dieu. Allié Diafa Madikma, Wanganou, Alanye, Wadiye Madikma, Wotan Nereena RPG Arc-en-Ciel. Nere Ronor Madikma, Wonara Madikma, Wom Madik Ngana Baba Mato, Wondiye Madikma, Wanganou Barafi, Mbara Madik Ngato, Guinéana Tel. Wotan. Wotan rena RPG Arc-en-Ciel. Waraba alanung annabibe ou ngadiye madikma. Ou moudiye mama paske anayef. Wondiye mane madikma paske angana ba babara toro RPG rafe. Haito ma ina RPG. Donc wondiye me. C'est pas à cause de lui ou paske il est de l'IFDG. Et manga falo obeto. Nrena Alpha Condé be. Nrena Alpha Condé be. Alpha Mounyaro, Alpha Boyenfan. Rentourage na mounoufan. Menna wonfan katabane nirinere moufan naki. Alpha Rakoulongye moufan. Donc c'est ça. Menna wonfan wa wohare le tongode. Wa mahe, selouba, ra gineba, e birindori, e belaregne riki. Nananaki madikana wotagi. E mou enfe, e mou madikrafe falafe.